Let's go! Let's motherfucking go! Let's go! Go, 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 go! Let's go! Go, 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 go! Let's go! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Putain, avec le lag, c'est une horreur. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. What? Ah, c'est abusé quand même. Le gaz avant. Nouvelle zone de sécurité établie. Cible marquée! Envoyez un soutien aérien! 2-3, cible en vue, frappe imminente. Le gaz se rapproche. Avant.
Let's go! Let's motherfucking go! Let's go! Go, 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 go! Hey, salut tout le monde, c'est Rocky. Aujourd'hui, du coup, je vous présente la classe de la FSS Hurricane avec laquelle j'ai fait le top 1 dans ce gameplay. Franchement, cette arme, elle est très forte pour deux raisons. Elle a un recul qui est quasiment inexistant et elle a un TTK, un time to kill qui est franchement... je connais pas les chiffres, mais je serais pas étonné qu'il soit assez fort parce qu'elle tue rapidement et associé à ça le fait qu'elle bouge pas, ça en fait une arme redoutable. La mobilité est assez importante puisque à la base je trouve qu'elle a quand même des caractéristiques d'un fusil d'assaut, mais elle est dans la catégorie SMG. Mais clairement c'est une SMG qu'on peut utiliser sur de la longue portée aussi. Hein. Donc pour la classe, encore une fois poignée phase 3, pour moi c'est celle qui bouge le moins quand on regarde les autres trucs à côté. C'est celle qui a le plus de précision. Alors attention, je parle des poignées un peu type comme dans Warzone 1, poignée commando. Hein. Après, je pense que si on va sur des grosses poignées comme ça, encore que, a priori, non. Mais voilà, poignée x3, pour moi, c'est la meilleure. Avec un ajustement qui est celui-ci, contrôle de l'utilisation du viseur à fond et stabilisation du recul à fond. Ensuite, le canon. Le canon, c'est le FSS X7. Il fait silencieux. Et il permet aussi d'augmenter la vitesse des balles, la portée des dégâts, une certaine pression de tir au jugé, ce que fait l'autre aussi. Mais l'autre n'est pas silencieux. Et franchement, le feeling est top avec ce canon. Au niveau de l'ajustement, j'ai mis portée des dégâts et stabilité du recul à fond. Ensuite, le reste, ça va être de la mobilité et la vitesse de visée. Donc le Corio laser 44V3 pour viser plus rapidement et avoir un peu plus de stabilité de visée. Et la crosse démo Quicksilver. Pour augmenter tout ce qui est vitesse de sprint, marche en visant, vis accéléré, donc la mobilité grosso modo, avec un ajustement qui est le suivant, vitesse de marche en visant et visée accélérée à fond. Et en dernier, j'ai mis la poignée Sakin ZX, qui permet de contrôler le recul, avec une stabilité de recul à fond, mais aussi accessoirement une vitesse de transition du sprint au tir à fond. Et franchement, cette classe, elle est top. Franchement, je vous la conseille franchement 100%. Allez, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Ciao, ciao tout le monde!